Bonjour à toutes et à tous, je suis Lorraine Petit, je suis ravie de vous retrouver pour cette scène artisan qui met à l'honneur des productrices et des producteurs passionnés, accompagnés par des chefs particulièrement excités d'être à leur côté, il faut le dire, pour magnifier des produits de grande qualité. Pour commencer, je vous propose qu'on se mette tous sous acide. Alors non, on n'est pas en train de complètement vriller sur Omnivore, quoique. Et soyez pas pressés, restez là, restez bien installés, on va passer les 35 prochaines minutes ensemble pour mettre à l'honneur les agrumes incroyables et extraordinaires de Perrine et Étienne Chaleur qui nous font le plaisir d'être ici, qui cultivent au pied du mont Canigou plus de 800 variétés d'agrumes bio d'exception. Et avec leurs agrumes extraordinaires, ils séduisent des dizaines de chefs dont beaucoup sont présents ici, et dont la pâtissière Claire Etzler, qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. C'est parti donc pour un acid trip. Venez donc, venez devant, on veut vous voir. Perrine et Étienne, avant de reprendre les agrumes Bachès, vous êtes ingénieur agronome de formation et vous travaillez particulièrement sur les questions de biodiversité. Notamment, vous étiez loin, je ne me rappelle plus où exactement, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Oui. Pourquoi travailler sur ces sujets de biodiversité? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette thématique? C'est une thématique qui nous touche tous les deux beaucoup parce qu'on a été élevés, je pense, dans ces valeurs-là de préservation. Mais juste tout simplement en se baladant souvent en forêt, faire des randonnées, etc., tout de suite, on a une vision qui est différente. Et c'est vrai que naturellement, je pense que nos études nous ont menés vers ça. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, de la biodiversité, mais finalement, ça sert à quoi? C'est difficile de se dire on va préserver la biodiversité sans savoir vraiment pourquoi, finalement, en quoi dans nos vies à chacun elle est essentielle. Et c'est vrai que bon, dans les métiers qu'on a fait avant, qui étaient vraiment préservation de la biodiversité, il y avait toujours cette question un petit peu économique. Pourquoi est-ce qu'on va mettre de l'argent pour préserver la biodiversité? Et puis finalement, là, dans l'application qu'on fait aujourd'hui, en cultivant cette biodiversité, on trouve un peu ce service qu'on met dans la gastronomie, à faire goûter en quoi la biodiversité peut être intéressante, et ici en application au palais, voilà, de voir un petit peu les diversités qu'on peut avoir Claire, la biodiversité en cuisine, c'est aussi quelque chose qui, et en pâtisserie notamment, c'est quelque chose qui vous touche. Et les agrumes dans toute leur diversité, comment vous les magnifiez, comment vous les utilisez? Et en fait, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de chefs très impliqués dans le sourcing, dans le respect de la terre, des producteurs. Donc c'est assez naturellement que ça fait partie de ma manière de travailler. Les fruits, les légumes, c'est notre matière première. Et je pense qu'il faut vraiment y faire attention. On a un super terroir en France et il faut le préserver. Et moi, je m'amuse énormément à travailler avec toutes ces variétés d'agrumes qu'on peut voir juste ici. Quand Perrine et Étienne m'envoient des colis d'agrumes, pour moi, c'est un peu comme un cadeau, quoi. Je m'amuse, c'est super. On a beaucoup d'échanges. Et moi, ça me fait grandir, ça fait grandir mon travail et ça fait évoluer ma pâtisserie. Étienne, quelques mots sur les agrumes que vous avez amenés. Je crois que ce n'est pas la pleine saison en ce moment des agrumes. Il y a vraiment une saisonnalité où on y reviendra. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme variété? Alors aujourd'hui, devant, là, on a des exemples de cédra, par exemple. Là, on a deux mains de Bouddha, un autre cédra d'une autre variété. Parce que le cédra, c'est une famille d'agrumes. Voilà. Main de Bouddha, qui est d'ailleurs un cédra, il n'y a pas de jus du tout dedans, si vous le coupez, c'est uniquement du blanc. Et là, un cédra, donc il y a le grand-père, si vous voulez, du citron, qui est une des familles ancestrales d'agrumes aussi. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les agrumes sont originaires d'Asie, donc du sud-est de l'Asie, et l'homme a emmené en fait dans ses valises, tout au long de ses voyages, les agrumes. Et donc il y a tout un tas de phénomènes génétiques, etc., derrière. Naturel hein, aussi, oui, par la main de l'homme, qui ont créé toutes ces nouvelles variétés. On appelle ça la dérive génétique. Enfin, je ne vais pas vous faire de cours de génétique. Et ça a créé plein de diversité, en fait. Les espèces se sont séparées. Donc elles sont reproduites entre elles, elles sont devenues différentes. Donc ça a créé de nouvelles variétés, et après elles se retrouvent grâce à l'homme, et ça a recréé de nouvelles variétés, etc. Et ça arrive sans arrêt. Parce qu'il faut savoir que les agrumes ont une faculté à s'hybrider qui est extrêmement importante au niveau des pépins.
Donc, chaque pépin dans un fruit est potentiellement une nouvelle variété. Donc ça, c'est de l'hybridation naturelle, c'est pas des OGM, des choses transformées. Non, pas du tout. C'est, ouais. C'est de l'hybridation. Comment ça marche en fait d'ailleurs pour hybrider un fruit? Ben moi, par exemple, je suis l'hybride entre guillemets de mes deux parents, quoi. C'est pas un gros mot, quoi. On n'a pas fait de bouture ou de transplantation. Non, il y a pas. C'est extrêmement naturel, quoi. C'est un bourdon qui a butiné une fleur, puis une deuxième, et qui a fécondé la deuxième fleur avec le pollen qu'il avait récupéré sur la première fleur. Aussi simple que ça. Ouais, fait. Voilà. Okay. Ouais. Et comment on fait la bascule entre être ingénieur agronome et reprendre une exploitation très diverse d'un point de vue biodiversité justement d'agrumes? Comment on fait ce passage? Eh bien, c'était un choix, je pense, à un moment de notre vie où on était prêt aussi à s'installer en tant qu'exploitant agricole, parce qu'à la base, du coup, c'est quand même un boulot d'agriculteur. Et après, dans la diversité des agrumes, on apprend un peu sur le tard, parce que c'est faut être dedans, faut vraiment être dedans, observer beaucoup, être curieux, se documenter, échanger. Enfin, c'est et surtout après goûter le fruit, c'est là qu'on arrive à voir en fonction des maturités quand est-ce qu'il est vraiment intéressant. Les acides et les sucres évoluent au fur et à mesure que le fruit grandit sur l'arbre. Donc en fonction après des besoins de tel ou tel chef, qu'il soit pâtissier ou en cuisine, s'il veut plus ou moins d'acide, plus ou moins d'amer, on va savoir. Ah, vous pouvez sélectionner le moment où vous cueillez le fruit en fonction des demandes. Exactement, des chefs. Oui. C'est, manière de... c'est du sur-mesure. C'est notre manière de travailler, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. On a quelques photos qui défilent sur l'écran pour vous donner aussi à voir à la fois le travail de Claire dans ses laboratoires et aussi des jardins et des pépinières avec donc 800, c'est ça, variétés différentes. Vous pouvez nous donner quelques peut-être pas les 800, mais une quinzaine. Alors on en a une bonne partie qui sont en collection, donc qu'on ne vend pas, qu'on garde comme ça, parce qu'on a juste un arbre ou deux. Et l'autre partie qui est celle qu'on produit pour les chefs, là il y a 150 variétés à peu près, et c'est déjà énorme. Hein. Et la collection, c'est pour le patrimoine en fait, végétal aussi, avoir une trace, avoir... Oui. C'est ça ? Oui, et puis il y a des espèces qui ne sont pas spécialement intéressantes ou pour lesquelles on n'a pas encore trouvé d'usage, ou etc. Il y a beaucoup d'agrumes qui sont très amers, par exemple, qui sont compliqués à utiliser en cuisine, mais qui ont des parfums quand même qui sont incroyables. Je pense au Poncirus, par exemple. Au quoi ? Au Poncirus, par exemple, okay. Qui a un parfum de fruit de la passion, mais que personne n'utilise en cuisine. Peut-être qu'un jour, quelqu'un arrivera à trouver quelque chose, parce qu'il est très, très amer. D'accord. Le parfum est incroyable, mais il est très, très amer. Bon, bah, c'est un appel aux chefs qui sont là pour essayer. Personnellement, je n'ai pas pris de dessert et j'ai déjà un peu faim, rien que d'entendre tout ce que vous dites sur les agrumes. Claire Hetzler, tu as ramené un gâteau un peu particulier qui a une histoire. J'aimerais bien qu'avant de le faire goûter, qu'on puisse raconter un petit peu cette histoire de ce cake qui est magnifiquement emballé dans cette boîte. Que tu vends en ce moment dans tes pâtisseries? Oui, tout à fait. Je suis installée donc à Levallois depuis quelques mois, c'est assez récent. Et ce gâteau, donc c'est un gâteau de voyage, c'est entre un cake et un gâteau de voyage. Je l'ai appelé le gâteau de l'amitié. Il est né pendant le confinement, ce cake, de par nos échanges. On avait besoin de se nourrir hein, mutuellement, d'échanger, de travailler sur la suite. Et c'est la période où, lors du deuxième confinement, où vous étiez en pleine saison des agrumes et plus personne n'achetait parce que tous les établissements étaient fermés. Et je me suis dit, ok, ben, c'est pas grave, moi je vais essayer de les soutenir à ma manière. Et j'ai acheté, je crois, 160 kilos de yuzu. Ok, que, ouais. Alors j'étais pas encore ouverte. Sacré de poids. Que j'ai transformé soit en marmelade, soit en bocaux, histoire de pouvoir les utiliser tout au long de l'année. Et j'ai donc créé ce gâteau qui s'appelle le gâteau de l'amitié yuzu, qui retrace un peu notre histoire. Concrètement, donc c'est une belle histoire qui vous lie aussi et qui fait qu'on est ici sur cette scène ensemble. C'est vraiment la scène artisan est vraiment faite pour ça, donc je suis ravie de pouvoir expliquer cette histoire. Et donc, Claire, raconte-nous comment tu fais, qu'est-ce que c'est au-dessus? Là, on voit une sorte de disque. Alors, c'est un biscuit qui est très, très moelleux, vraiment très moelleux à l'intérieur. Je chemise mon moule avec de la cassonade, ce qui rend le tour très croustillant et bien caramélisé. Et j'ai de la marmelade de yuzu à l'intérieur et sur le dessus.
Et tout à l'heure, on parlait de, enfin, Perrine parlait de produire un peu sur mesure pour les chefs. Et c'est vrai que c'est totalement le cas. Moi, je sais que les yuzu, je les aime beaucoup en toute fin de saison. Même des fois, Étienne m'a dit, Claire, vas-y, il est temps, il commence à faire froid, il faut les cueillir. Et en fait, en toute fin de saison, l'écorce des yuzu, elle est vraiment très jaune, très épaisse. Il y a presque plus de jus à l'intérieur. Et je trouve que c'est comme ça en pâtisserie que moi j'aime l'utiliser. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui ressort ? Il est plus sucré, il est plus doux. En cuisine, il est souvent utilisé vert en début de saison. Et c'est vrai que moi je l'adore en fin de saison. Plus confit presque. Oui, plus, complètement. Moins acide. Très très parfumé. Ouais, vraiment. Ouais, ça développe des arômes un peu tertiaires, de sous-bois, d'humus, de choses comme ça. Ah oui, de musc ? D'humus. Ah pardon. Qui a moins le yuzu quand il est vert. Le yuzu quand il est vert, il est vraiment pur yuzu. Et après, en fonction de la maturité, le terroir va s'exprimer encore plus. Et là, on est quand même sur le village le plus ensoleillé de France, à Eos, avec 320 jours de soleil par an. Et l'hiver, on a des deltas, donc des différences de température entre le matin et l'après-midi, qui sont extrêmement élevées, parce que l'après-midi, on est à... le matin, pardon, on est à 0 moins 1 degré, et l'après-midi, on est à 20 degrés. Mmh. Et c'est ce qui fait que les fruits vont mûrir énormément et vont atteindre des degrés de maturité qui vont permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les autres yuzu, notamment les marmelades de Claire. Est-ce que vous êtes particulièrement... On a évidemment parlé beaucoup des sécheresses, des canicules de cet été, qui sont que les prémices de ce qu'on va connaître dans les étés à venir. Comment vous faites face à ces changements climatiques? Est-ce que ça affecte les arbres? Comment ça vous affecte? Vous devez arroser, irriguer? Comment vous gérez ça pour éviter les pertes de rendement? Alors les agrumes, c'est des arbres subtropicaux, voire tropicaux, donc ils ont besoin d'être arrosés toute l'année, forcément beaucoup plus l'été. On a la chance dans les Pyrénées-Orientales d'avoir un réseau de canaux d'irrigation séculaire. Ça fait 400-500 ans que les anciens ont creusé dans les montagnes un réseau de canaux. Oui, ils avaient anticipé quoi. Oui, ou ils en avaient besoin en tout cas aussi à l'époque, pour irriguer toute la plaine du Roussillon. Et donc, on a la chance d'avoir l'eau des montagnes qui nous vient de la fonte des neiges. Donc, on a l'eau toute l'année, heureusement, par contre. Donc, on n'a pas un impact direct sur cette année parce qu'on a pu arroser, pas à volonté, mais en tout cas à notre volonté. Par contre, on surveille l'évolution de l'eau. Voilà, on est dans des syndicats qui s'occupent de, voilà, des canaux, des lacs. Enfin, on suit beaucoup ces thématiques-là à côté, ben, notre métier d'agriculteur. C'est quelque chose qui nous... Voilà, qui nous inquiète aussi forcément beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du réchauffement climatique, ce qui est un fait sur les moyennes saisonnières, un fait avéré. Par contre, on parle beaucoup moins du dérèglement des flux d'eau. Donc il pleut toujours autant qu'avant, mais plus aux mêmes endroits. Ouais, et puis des gels tardifs, des choses comme ça qui peuvent aussi affecter les bourgeons, les fleurs, et puis dérégler aussi le cycle de l'arbre et des fruits, j'imagine. On va revenir à ce qui nous intéresse quand même aussi, c'est-à-dire la dégustation. On a cette petite sablée ici. Vous pouvez nous en dire un mot. Une marmelade dessus, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est une marmelade qui est née aussi, on va dire, dans la même période que le cake, que le gâteau de l'amitié. Suite à nos échanges, en fait, nous, on a, pendant le confinement, effectivement, eu un peu tous les fruits qui nous sont restés sur les bras. Donc, on a réfléchi une gamme de produits transformés pour conserver les fruits et aussi pour proposer de découvrir la diversité des agrumes de manière ludique, parce que pendant le confinement on faisait aussi des paniers de fruits frais pour les particuliers, mais voilà, quand on connaît pas, on sait pas comment le travailler, si c'est en sucré, en salé, comment le couper, est-ce que l'amertume, l'acidité. Donc là on a quelque chose qui se conserve, mais qui conserve aussi tous les arômes et les qualités des fruits. Et donc, sur la marmelade, on a travaillé avec Claire. Elle nous a conçu cette recette de marmelade. Ah, c'est une recette de Claire, en fait. Exactement. Une réalisation, voilà, de chez vous et une recette, oui, de Claire. Parfait. Exactement. Marmelade de yuzu à la vanille. Voilà, donc, qu'on propose ici sur un petit sablé. Excellent. Eh bien, on va faire passer, commencer à faire déguster. Alors, donc, le cake de l'amitié au yuzu et le sablé. Vous pouvez goûter les deux, allez-y, hein. On est gourmand ici, omnivore, on mange tout. Hop, et je vous laisserai vous faire passer. Si ça vous... Oui, je me rappelle, pendant les confinements, je voyais
mon fil Instagram qui était complètement saturé de personnes qui recevaient vos colis d'agrumes, un peu les soleils du confinement qui donnaient un peu de joie et un peu de réconfort dans ce moment qu'on n'a pas tous très bien vécu. Moi, la première. Donc, je voyais ça, on reçoit ça, c'est fantastique, quoi. Mais bon, j'imagine qu'il faut savoir accompagner aussi, parce que tout le monde n'a pas la sensibilité, les connaissances de Claire Hetzler pour savoir les travailler et les magnifier. Donc, vous arriviez à accompagner les personnes qui recevaient les paniers en leur proposant des recettes, comment vous faisiez ? Alors, le tout premier confinement qui arrivait en mars, nous, on était plutôt en fin de saison des agrumes. Mais on a senti que quand même, l'hiver d'après, on n'en était pas sorti. Donc, on a travaillé tout l'été sur des petites cartes qui accompagnaient chaque variété avec une histoire du fruit, des conseils d'utilisation et puis une idée recette. Donc ça permettait aussi de guider un petit peu les personnes chez elles. Voilà. Puis c'est vrai que le premier confinement, je pense que tout le monde a remarqué, il y avait un aspect un peu presque festif, quoi. Tout le monde était presque content, voilà, on découvrait les producteurs, etc. Mais alors le deuxième confinement, ça n'a pas du tout été la même. Hein. Là, c'était la grosse déprime, tout le monde arrêtait. Nous, les gens qui avaient fait des paniers dans le restaurant, etc., il n'y avait plus rien qui se passait. Du coup, il a fallu vraiment, vraiment se bouger. Et ce qui est dingue, c'est que les échanges qu'on a eu avec Claire, par exemple, ça a abouti à la création de deux entités nouvelles, en fait, la gamme de produits transformés, là, qu'on a appelé Too Cook. Donc, ils sont des aides culinaires, comme le disait Perrine. Qu'on peut retrouver sur votre site, c'est ça, e-shop ? Oui, sur notre site et dans la boutique de Claire, d'ailleurs. Ah. Et à la marque de Claire qui s'est lancée et qui réfléchissait depuis des années et là qui a trouvé l'énergie dans tout ce marasme pour se lancer. C'est assez incroyable, mais c'est Claire, quoi. Excellent. Bravo, bah ouais, les deux qui s'auto-alimentent aussi dans ces créations. Claire, je voulais revenir sur cette notion de saisonnalité et de mise en avant des producteurs. Le nom de ta marque, c'est Claire Hetzler et producteur. Oui. C'est vraiment pour mettre en avant aussi ce travail qui est né quand même... qu'on commence à connaître dans la restauration, mais beaucoup moins en pâtisserie. L'idée, c'était aussi de prendre ce tournant en pâtisserie et de mettre en avant des produits de saison, frais, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la plupart des pâtisseries, c'est ça ? Oui, oui, complètement. Pour moi, je me suis dit, si je m'installe, j'ai envie de continuer mon travail tel que je le faisais dans la restauration, avec ce sourcing, ce respect des producteurs, des matières premières. Et c'est vrai que ce travail-là est encore assez confidentiel dans le milieu de la pâtisserie. À l'école, on n'apprend pas à travailler à partir de fruits frais, de produits frais. Et oui, moi, c'est fraisier en février. Voilà, et compagnie, complètement, ça... complètement. Et ça, pour moi, c'est un non-sens. Voilà, mes fraises, elles sont pleines terre. Enfin, j'ai envie qu'on fasse attention à ce terroir. Et voilà, ça me semblait évident en m'installant de pouvoir parler de mes produits, faire de la bonne pâtisserie avec des bons produits, mais aussi mettre en avant les producteurs avec lesquels je travaille. J'ai un site internet sur lequel, lorsque vous allez découvrir les pâtisseries, à chaque fois j'ai un petit onglet qui est consacré aux producteurs, donc vous savez mes fruits d'où ils viennent, et vous avez même un lien en fait qui va vous diriger sur le site du producteur pour vraiment travailler ensemble et boucler la boucle. Et c'est super enrichissant. Enfin, moi je suis vraiment très fière qu'ils me fassent confiance aussi. C'est chouette, et puis d'avancer comme ça. Alors qu'est-ce que ça donne, ce gâteau et la marmelade? Magnifique. Magnifique. Qui veut faire un commentaire? C'était comment? Moi, j'ai même pas encore goûté. C'est terrible, monsieur. C'est exceptionnel. Oui, exceptionnel. Est-ce qu'on sent un peu d'acidité ou est-ce que c'est vraiment du confit, de quelque chose de très sucré? En fin de bouche, on a une petite acidité, mais c'est pas dérangeant. Pas dérangeant, ok. Super. Bah, je vais trouver un petit, je vais m'en garder un petit morceau. Allez, on va goûter. Merci. Je fais la dégustation. Alors attendez, je vais lancer une question parce que sinon je vais avoir la bouche pleine et ça va pas marcher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la question de la transmission auprès du public. Est-ce que vous faites visiter la pépinière? Est-ce que vous l'ouvrez? Est-ce que c'est possible de venir voir ce que vous faites? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ok, on fait notre travail et on est actif sur les réseaux pour donner aussi à voir, et on peut voir aussi peut-être des photos de l'exploitation. Comment vous faites par rapport à l'ouverture au public et à la,
aussi la pédagogie. Je pense aussi aux enfants. J'imagine que des enfants qui viennent chez vous doivent être émerveillés de voir ces mains de Bouddha, ces citrons caviar, ces yuzu, ces agrumes qu'ils n'ont jamais vus. Peut-être qu'ils connaissent que le citron et l'orange, quoi, finalement. Actuellement, on n'est pas forcément ouvert au public comme on pourrait le faire, parce qu'on a effectivement une activité qui est plutôt tournée vers l'agricole, donc on n'est pas forcément équipé pour recevoir du public. On a beaucoup de demandes, on le comprend déjà, rien que quand nos connaissances viennent, on voit déjà l'émerveillement et puis et le côté aussi pédagogique. On a deux petits-enfants et c'est vrai que dès qu'on se promène avec, ouais, c'est tout de suite, on le voit dans les yeux de toute façon, l'émerveillement. Par contre, on travaille dessus peut-être pour, de temps en temps, peut-être faire des portes ouvertes, voilà, de manière occasionnelle, mais voilà, organisée. Merci Perrine de m'avoir permis de manger ce bout de gâteau pendant que vous parliez. C'est délicieux. Je trouve que c'est exactement... Enfin, l'équilibre est excellent. On a ce bord caramélisé avec la cassonade, le yuzu au-dessus et à l'intérieur qui donne un peu de longueur en bouche, un peu d'amertume, mais sans que ça soit trop présent. Et puis le moelleux du gâteau, cette assiette va rester ici. On a aussi quelque chose sur cette table qui commence à me chatouiller sérieusement les narines. Je n'ai pas compris quand Étienne a ramené ce morceau de parmesan énorme. Je lui ai dit, mais que fais-tu? On parle d'agrumes. Tu me ramènes un parmesan qui a l'air de sortir d'une cave qu'on avait oubliée pendant des années. C'est presque ça, je crois. Tu me dis, si, je suis pas devenu producteur de parmesan entre-temps. Mais par contre, raconte-moi, pourquoi il est là? Ce parmesan, c'est un petit peu l'histoire d'Omnivore, en fait. C'est vrai que quand on vient sur le festival, sur le salon, on quitte nous notre petit village d'Eus là, mais on est bien à Eus, vous savez, c'est le plus beau village, enfin il fait partie des plus beaux villages de France. C'est le village, nom du village de France, Eus, E-U-S en trois lettres. Eus. Eus en parisien, Eus en catalan. Voilà. Donc il y a le mont Canigou juste à côté qui est absolument magnifique, 2784 mètres. De l'autre côté, le village d'Eus, plus ensoleillé de France, 320 jours de soleil par an en moyenne, donc on y est bien. Mais de temps en temps, quand même, ça fait du bien aussi de se déplacer pour rencontrer de nouvelles personnes, pour échanger, etc. Et Omnivore, c'est vraiment une occasion particulière pour ça. Parce que là, par exemple, on a un voisin qui représente... Un voisin de stand, là-bas, qui représente l'interprofession du parmesan en Italie. Et en rigolant comme ça, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire une association parmesan écorce de yuzu. Ok, donc ça vient de naître, en fait, oui. Cette histoire. Ok, oui. Parfait, j'adore. Et donc, vous allez nous dire ce que vous en pensez. On est les cobayes, on va goûter l'association parmesan yuzu. Allez, et c'est un parmesan, tu dis, qui est affiné combien? 101 mois. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un parmesan de 101 mois d'âge. Moi, non. On va goûter ça. Et c'est l'écorce de yuzu qui est juste confit. C'est celle que vous vendez aussi. Ok, je vais le faire passer par là-bas, peut-être. Allez, vous faites passer? Merci. Ça réveille. Ah ouais. Mais ça marche. Ça marche. C'est ça le pire. Ça marche très bien. De toute façon, le yuzu, j'ai l'impression qu'on peut l'associer avec beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'il y a des accords qui marchent pas, Claire, avec le yuzu? Je sais pas. Moi, je reste convaincue que tout peut marcher avec tout. Okay. C'est juste une question d'équilibre, de dosage, de travailler correctement ses recettes. On peut applaudir. Merci Florent. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Justement, vous avez, j'imagine, un laboratoire de recherche et développement dans lequel vous mettez au point les recettes. Ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver au juste dosage, comme ce cake qui est magnifique. Comment vous faites? Vous avez une... Enfin, d'où vient la créativité et comment vous travaillez pour créer de nouvelles recettes? La plupart du temps, c'est soit un produit, soit une rencontre, soit un échange qui m'amuse, quoi, qui me donne envie de créer une recette. Quand je commande des agrumes et que vous mettez de temps en temps une petite surprise en plus que je ne connais pas, que je découvre. Et puis, tu as tendance à bien me challenger aussi quand tu as des nouvelles choses. Oui, quel genre? T'as un exemple en tête? Je vais pas en parler parce que je veux passer dessus, mais il y a effectivement un agrume où tu m'as dit, voilà, il n'y a aucun pâtissier qui l'utilise, ce serait bien d'en faire quelque chose. Ça, donc, c'est le challenge, le goût du challenge. C'est,
On a un producteur, Eric Roy, qui m'avait lancé le même challenge. Un maraîcher, je crois. Oui. Il me dit, voilà, essaye de me faire un dessert à base de, d'une petite carotte, la petite carotte toupie. Voilà, on s'est éclaté, c'était super bon. Donc, il y a des milliers de choses à faire. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette carotte? J'avais fait un dessert avec un pain perdu infusé dans un jus de carotte caramélisé et des carottes toupies cuites, glacées, avec une glace noisette et une petite crème noisette. La carotte était naturellement sucrée, donc c'est facile. C'est facile. De plus en plus, grâce à Instagram notamment, on rend visible aussi les métiers aussi bien de pâtissière que de producteur. Vous rappelez que vous êtes agriculteur avant tout. C'est parfois un peu romantisé, un peu, on montre des paysages. On montre pas toujours l'envers du décor, qui parfois peut être difficile. J'imagine, comment vous vivez, vous, en tant que reconverti un peu tardif à l'agriculture, même si vous étiez agronome, vous n'avez pas toujours travaillé les mains vraiment dans la terre. Comment vous le vivez? Alors, il y a beaucoup de choses, dans ce que tu as dit. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on ressent vraiment que le métier d'agriculteur est en train d'évoluer fortement. Parce que moi, j'ai fait de la formation, par exemple, pour des licences, etc. Des gens qui passaient des licences en agronomie. Et on parle de moins en moins d'agriculture ou d'agricole, etc. Mais de plus en plus d'entreprises agricoles. Oui, vous devenez des entrepreneurs un peu comme les autres, quoi, finalement. Est-ce que c'est pas mal? C'est pas plus mal, en fait, de se dire que c'est pas complètement à part et qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de travailler 80 heures pour ne pas gagner votre vie et qu'en fait, c'est possible de remettre un peu de droit du travail et d'entreprise dans le métier. J'ai dit ça dans le sens où il faut maintenant gérer des images, des promotions, des choses comme ça aussi, et pas uniquement produire. Nous, par exemple, on connaît les clients auxquels on vend les produits, etc. Et ce qui nous permet d'être beaucoup moins vulnérables vis-à-vis, d'un seul gros acheteur, de choses comme ça. Et parce que c'est arrivé par le passé, hein, des gens qui avaient un seul client, le client est là du jour au lendemain, c'est fini, quoi. Tu as quelque chose à ajouter, Perrine, par rapport à ça? Non, après, enfin, je rebondis sur le côté entrepreneur. Je pense que c'est exactement ça. Il y a différentes méthodes de faire de l'agriculture aussi. Hein. Il y en a qui font un peu ce qu'on leur dise au niveau conventionnel, on va dire, ils vont suivre des grilles, un peu ce que la chambre d'agriculture va leur dire de faire, et d'autres qui vont un peu plus réfléchir, observer, agir en fonction de ce qui se passe le jour même. Donc je dis pas qu'ils le font pas les premiers, mais en tout cas, il y a des méthodes différentes aussi de travailler dans le monde agricole. Donc c'est un panel assez large. Claire Hessler, dans le monde de la pâtisserie, c'est aussi, en tout cas, ce qu'on voit, la partie émergée de l'iceberg, c'est le glamour, c'est les pâtisseries qui ressemblent à des bijoux. J'imagine qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a beaucoup de travail derrière. Oui, et on a une période, je pense, qu'il faut aussi savoir sortir du visuel. Que ce soit beau, c'est bien, mais je pars du principe qu'il faut que ce soit au moins aussi bon que beau. Et on est en train de... En pâtisserie, on a beaucoup de retard, je trouve, par rapport au monde de la restauration. On commence doucement à sortir des colorants, des additifs, de la pâtisserie trop sucrée. Un peu comme ce qui s'est passé en cuisine il y a une vingtaine d'années, où on a commencé à décrémer, à enlever les cuisines ont commencé à être moins beurrées, plus légères. Et finalement, on se rend compte que moins il y a de sucre dans une pâtisserie, et ben plus il y a de goût. Le sucre, en fait, il cannibalise le goût de la matière première. Et quand on a des belles matières de qualité, comme vos agrumes, il faut leur laisser leur place, quoi. Je pense qu'il faut être humble aussi par rapport à ça et de ne pas simplement vouloir faire une démonstration technique, de laisser la place à la matière première. Merci. On a un petit peu de temps pour des questions, pour une interaction aussi avec vous, qui avez goûté les produits, qui avez peut-être des observations à faire. Sinon, on peut continuer à manger ad vitam aeternam aussi. Oui ? Bonjour. Moi, j'ai une question pour Étienne et Perrine. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des employés, si oui, combien ? Et combien de temps ça vous prend la récolte tous les matins, en général ? Alors oui, on a des employés, donc on est déjà tous les deux et on a trois salariés à temps plein sur l'année. Merci.
Et on a des saisonniers pendant la saison de récolte et puis et le début de l'année qui correspond à la taille et la fertilisation des arbres. Le temps de récolte en saison, c'est toute la journée. Voilà. C'est le transporteur qui vient chercher les colis qui nous limite en fait en termes de timing. Mais c'est toute la journée, toute la semaine. Oui, voilà, c'est ça, Étienne, que tu es en train de cueillir. Ouais. Des kumquats. Des kumquats aussi gros ? Oui, voilà, géants. Kumquats géants. Voilà, excellent. Oui, ils sont gros, hein, gros comme ça. Tu faisais un cake aussi au kumquat, c'était avec des kumquats de cette taille-là ? Tout à fait. Alors, avec différentes tailles de kumquats. Hein. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que même pour mes équipes, quand je commande des kumquats, en plus, les kumquats, je trouve, ont un peu mauvaise réputation. Alors que c'est pas forcément acide. Quoi. C'est, moi, quand j'en prends, c'est magique, c'est des bonbons. C'est des bonbons, ouais. Et quand je reçois ces colis d'agrumes où il y en a des ronds, il y en a des longs, il y en a des géants, déjà mes équipes ne les connaissent pas, donc c'est très, très intéressant. On utilise absolument tout hein, sur l'agrume. Hein, les agrumes, c'est comme le cochon, il n'y a rien qui se perd, on utilise absolument tout. Et ça nous fait des marmelades qui sont très goûteuses. Et ce que j'aime bien, c'est exposer des agrumes dans mon espace de Click & Collect, dans ma petite boutique, pour montrer aux clients les différentes variétés et ce qu'on met dans nos produits. Et je me rends compte que le client est très, très curieux. Étienne, tu veux montrer une main de Bouddha coupée, c'est ça ? Avant qu'on... Oui, c'est ça. Je sais pas, ça marche là ? Oui, c'est bon. Ouais. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on coupe une main de Bouddha en tranches fines. Le salon est en train d'arriver à sa fin, donc on peut commencer à attaquer la déco du stand. Donc on va couper une main de Bouddha en tranches fines, ça va vous permettre de goûter le fruit frais. Voilà. Et vous allez voir, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à la maison aussi, en salade par exemple, avec du fenouil, des choses comme ça. C'est super frais. Excellent. Est-ce qu'on a une dernière question très rapide avant de mettre un terme à cette acid trip ? Est-ce que vous avez eu tous les éclairages ? Oui, Florent. Très rapide. Et juste pour savoir, quel est votre agrume préféré ? Bonne question, très bonne question. À tous ? À tous. Ah oui. Moi, c'est le calamansi. Voilà, petit agrume très utilisé dans les Philippines, acidulé avec un petit parfum de bonbon un petit peu. Voilà. Étienne ? Moi, c'est un agrume qui n'est pas encore sur le marché, qui s'appelle le pomelo quat, mais qui va l'être dans un an ou deux. Oh là là, ça c'est du teasing, pomelo quat, on est dans les starting blocks, l'année prochaine on sera là. Claire ? Eh ben moi mon cœur balance entre le yuzu forcément et la bergamote. Ok, super, ben, merci beaucoup, on peut les applaudir très fort, merci beaucoup d'être venus. Merci.